Yo tout le monde, c'est Mayer, c'est aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc plutôt pour une vidéo d'introduction pour vous expliquer ce que je ferai prochainement. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer aussi quelques petits soucis que j'ai eu pour la vidéo que j'ai postée précédemment. Donc sous les yeux je vous mets un gameplay de avec 9999 sapeurs. Et si mon commentaire il déborde, je vous montrerai, je le ferai, je vous montrerai mon nouveau village. Donc il sera, je l'ai mis là, je l'ai adapté pour le farm, mais sinon c'est un village rush. Je pense que je ferai un village, un speed building, et je vous présenterai aussi, je vous parlerai un petit peu de mon clan. Voilà, donc au niveau sujet de ma précédente vidéo, en fait déjà j'ai galéré à la faire, et en fait c'est surtout pendant l'upload, donc je vous dis. Si vous voulez, ouais, non. En fait, j'ai voulu l'upload, et en fait, donc au début, je vois déjà 2000 minutes, donc si tu calcules bien, ça fait un jour et demi. Donc déjà, c'était énorme, donc moi j'ai attendu, hein. Donc je l'ai mis ça le soir, le lendemain matin, c'était 40%. Donc moi, quand c'est ça, je réactualise la page et je recommence, donc ça reprend où c'en était, et mais les minutes diminuent. Donc au final, j'ai quand même réussi à la mettre. Mais en fait, vous savez, quand c'est 100%, pour ceux qui postent des vidéos, des youtubeurs savent, quand vous êtes à 100%, il y a une vérification. Et en fait, celle-là, j'ai attendu au moins toute une nuit. Et le lendemain matin, elle n'était pas terminée. Donc, je l'ai supprimée. Et en fait, j'ai compressé ma vidéo. Donc, elle faisait plus d'un giga. Avec mon logiciel Handbrake, je l'ai compressé. Elle n'était plus qu'à 300 MO. Donc, en la postant sur YouTube, ça me mettait que 300 minutes. Donc, ce qui faisait à peu près... ça faisait... 5 heures on va dire, et donc les 5 heures je les ai attendues, donc ça fait qu'elle s'est postée, mais j'étais en cours pendant ce temps là, donc en arrivant en cours j'ai vu que j'avais deux fois la vidéo, donc c'est pour ça, pour ceux qui l'ont vu deux fois, voilà. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, et maintenant, donc maintenant dès que je fais une vidéo je la compresse pour que ce soit beaucoup plus facile l'upload. Donc voilà, donc c'était franchement, c'était vraiment très très embêtant, donc ça m'a pris vraiment du... Elle s'est postée le lundi matin, et qu'en fait j'ai commencé à la faire le samedi soir, donc pour vous expliquer, hein. Donc attendez, là je vois que le gameplay vient de terminer, donc vous voyez quand même que c'est vraiment incroyable, moi je trouve ça vraiment drôle, le gameplay avec les sapeurs. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite sur mon village, allez à tout de suite. Yo les gars, donc nous revoilà sur notre village, sur mon village pardon, excusez-moi. Donc attendez, je vais leur dire de vous dire bonjour quand même. Donc après je vais faire une petite présentation de... Donc je vais vous expliquer un peu parce qu'en fait donc j'ai quitté mon clan, donc God Kingdom, donc avec le chef Nathan. En fait on a décidé de partir dans un plus gros clan. Donc on avait rejoint... donc le clan, attendez. Voilà, donc de... Oui oui, coucou YouTube. Attendez, il y a Sera, donc attendez, avant je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis dans ce clan. Donc en fait, j'avais rejoint le clan FR Anonymous, donc on va y aller tout de suite. Donc avec Nathan, nous l'avons rejoint, et en fait ils ont fait une... Là ils sont en train de faire une guerre de clan, mais vu que j'étais en train d'améliorer ma reine, bah j'ai préféré quitter le clan pour ne pas les pénaliser. Donc voilà, donc le clan, donc mon clan c'est celui-là. Donc attendez, même que tout en bas nous voyons Storm, voilà, Storm 39, donc attendez, on va aller voir son village, ça va lui faire plaisir. Il a un bon village maxé HDV9, ah merde il s'est fait attaquer, dommage. Donc on y retournera quand il sera... Bon là, dans une prochaine vidéo, hein. Donc voilà, donc normalement donc ça c'est mon clan FR Anonymous. Donc en fait j'en ai profité donc pour quitter le clan, et ben j'en ai profité pour rejoindre des petits clans pour faire un peu partager ma chaîne. Donc en fait vous savez sur l'iPhone on peut faire des raccourcis de clavier. Donc par exemple moi si je mets chaîne 2 espace, attendez parce que ça bug un petit peu quand je filme. Allez chaîne 2. Parce qu'en fait, bon, attendez, on va essayer. Faut attendre. Oh, ça bug, ça m'énerve. En gros, moi, les raccourcis, c'est par exemple, tu mets une grande phrase. Donc, par exemple, moi, c'était salut les gars, j'ai une vidéo, j'ai une chaîne YouTube consacrée à Clash of Clans, machin, machin. Et après, le raccourcisseur, par exemple, tu mets chaîne 2. Donc, moi, si je mets chaîne 2, ça met le gros texte. Mais là, je sais pas pourquoi, vu que ça bug, ça ne veut pas me l'afficher. Attendez, on va attendre un peu. Espace. Voilà. Vous voyez, dès que j'ai fait espace, ça m'a directement. Regardez, si je fais terminer. Salut, j'ai une chaîne YouTube consacrée à Clash of Clans, allez faire un tour, ça me ferait très plaisir. Et si je mets allez, avec un petit 1, espace,
Voilà, entrée sur YouTube, tu mets Myers Clash. Voilà, donc je mets souvent ça quand pour me faire de la petite pub sur dans le chat. Donc je sais que ça fait chier beaucoup de monde parce qu'on me traite souvent de fils de pute, c'est ça le bâtard. Donc en fait, et des fois, il y a des gens bien sympathiques qui me disent, comme exemple, le chef de notre clan. Donc attendez que je trouve, donc Malotral 1999, et bah lui il m'a dit, si tu veux, je connais du monde, je pourrais te faire à peu près 90 à 100 abonnés. Donc voilà, donc moi j'ai dit bah pourquoi pas. Je lui ai fait, si tu m'aides à atteindre mes 200 abonnés, bah je resterai dans ton clan et je ferai des vidéos avec toi si ça te tente. Donc c'est pour ça que je suis dans son clan. Donc regardez, coucou YouTube de Sera. Donc je vais aller sur son village, donc il me l'a demandé précisément, tu peux venir voir mon clan, donc mon village quoi. Donc on y va. Rendre visite. Allez, attendez, je vais lui dire dans le chat. Attendez, je suis sur ton. Ouais, sur ton Vivi. Merde, voilà. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo, bah voilà, donc un HDV7. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu maxes faut que tu maxes tout avant de passer ton HDV, donc surtout ta tour de sorcier et tes anti-aériens et tes canons. Ou soit tu viens juste de passer l'HDV, donc c'est pour ça que tu as un nouveau canon. Mais sinon c'est pas mal, tu as bien maxé tes mines d'or. Et puis tu es en train de monter tes extracteurs. Voilà, donc t'inquiète de rien. Voilà, donc attendez, est-ce que tu as le roi des barbares? 2000 élixirs noirs. Tu attaques avec quoi? Ouais, donc une compo farm. Ouais, bon bah. Attendez, je vais lui dire qu'il mette bah qu'il farm, hein, qu'il sorte son HDV s'il veut avoir une meilleure chance d'avoir son roi des barbares. Voilà, donc vous savez tout pourquoi je suis dans son clan là. Donc franchement je ne sais pas si, parce que ça m'embête quand même, parce que moi j'ai dit dans FR Anonymous que j'allais revenir après la guerre. Sauf que lui me dit que je lui dis qu'il me dit ouais, parce que t'as il me fait ouais, mais quand t'auras atteint tes 200 abonnés tu vas partir. S'ils m'aident franchement à monter mes 200 abonnés, je pourrais pas partir comme ça, ça se fait pas. Donc je pense que je resterai un petit peu dedans et j'y retournerai dans l'autre après, je leur dirai, et puis je reviendrai un petit peu dans ce clan là. Parce que déjà là, depuis que je suis dans ce clan, donc c'est que ça fait à peu près. Donc j'y suis allé ce matin, ils m'ont fait gagner quand même 10 abonnés, je suis à 170 et ce matin j'étais à 160, donc en une après-midi j'en ai gagné 10 grâce à eux. Donc voilà, donc je vous remercie, puis dommage au chef qu'il ne soit pas là. Attendez. Non. Voilà. Donc mon village, là je suis en train de faire mes rangs par 8. Je fais le carré central. Après je fais toutes mes tours d'archer 11. Après je fais le deuxième carré, tout au rang par 8. Et après je fais toutes mes Tesla 7 parce que quand même, je sais pas, je les ai que 4. Hein. C'est un petit peu la honte. Voilà. Et après, ah oui voilà, et puis je voulais surtout vous expliquer dans mes prochaines vidéos, merci à toi Théo, donc Raze, qui était dans mon ancien clan, qui a eu l'idée pour moi, donc. Je vais faire une compo, donc la meilleure compo rush pour petit budget, donc par exemple pour les HDV 6 ou 7. Et après je ferai la meilleure compo rush pour les gros budgets. Donc c'est pas, il y a quelques trucs qui changeront parce que en fonction du budget on peut pas, voilà, parce qu'après ça revient cher et puis après on se retrouve en négatif je sais pas si ça se dit en négatif de ressources, je veux dire au lieu d'en prendre on en perd. Puis c'est pas le but quand même. Et après je ferai une vidéo meilleur compo rush farm. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc on est mercredi, normalement je sais pas pourquoi j'avais envie de faire une vidéo, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, même si c'était pas vraiment une vidéo, c'était juste pour vous expliquer un petit peu voilà ce que j'allais faire. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, aussi, j'espère que mon outro vous plaît, parce que moi, je la kiffe grave avec la nouvelle chanson. En plus, ça va foutu les droits d'auteur, c'est pour ça que je l'ai supprimé, etc., etc. Voilà, donc je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tenez-vous bien, et puis, bye les gens.